Je vous ai demandé de me biper ici, Laure Kameni. L'heure est grave. Bipez-moi ici, la maman Laure Kameni. Qu'est-ce que la fille de papa m'a encore fait? Point d'interrogation. Bipez-la moi ici massivement. Donc, taguez-la moi ici en commentaire massivement et partagez cette vidéo parce que sincèrement, trop, c'est trop. Il faut que... Il n'y a plus question de tata. Mais la camoise, le manque de respect vient maintenant, c'est voilà. Pas certaines personnes, d'autres pensent que c'est synonyme de peur. Hello, Waman, pardon, viens toi-même, tu arrêtes la folie, c'est que je suis en train de voir ici là. Ou bien c'est le vacarme même de quoi, même je ne comprends même pas. Tu commences ta folie là, tu vas lire là avec moi. Mbunga, va voir ton pasteur, il met les mains dans tes fesses. Laure Kameni m'a demandé de la prononcer encore. La camoise, toi-même tu appelles son nom pourquoi? En réalité, elle m'aime déjà. Tu m'as sorti là-bas, dit que je suis une sorcière. Quoi? Sorti là-bas, dit que je suis une sorcière. Attends un peu, Marie-Bibi. Donc, tout ce que notre prédicatrice qu'elle dit là, c'est des malivaines. Ou bien moi, je ne comprends pas absolument. Hein. Celle-là même qui passe le temps, voilà, à prédire la mort, le départ, le décès des influenceurs, blogueurs, personnalités publiques, hommes des médias. Hein? Attends un peu, Marie-Bibi. Donc, tout ce que notre prédicatrice qu'elle dit là, c'est des malivaines. Ou bien moi, je ne comprends pas absolument. Hein. Et j'ai deux mots à dire concernant ces balivernes en fait qui ne font que se répéter sur les réseaux sociaux. Celle-là, elle se prend pour qui en fait? Je sais, maman. Bon, dans tous les cas, maman Laure, la fille de papa, aujourd'hui, on l'a acharné sur toi de tous les côtés. Toi, tu es au Ottawa, viens d'abord intervenir d'abord ici, la maman. Il y a une demoiselle. Hein? Écoute-moi très bien. Hein? Si je retrouve cette vidéo sur ton mur, je mets ta mère en larmes. Je te le jure sur la tête de mon père. On ne me menace pas. On ne m'influence pas. On ne m'intimide pas. Ça. Si tu ne supprimes pas la vidéo que tu as faite ces jours, tu vas voir avec tes yeux. J'ai peur d'elle, qu'elle va me faire quoi? Elle fait peur aux autres, elle ne me fait pas peur. Elle est qui? Le Big Katika, le Big Mangroa, le Waman, l'homme de terre à terre. Toi-même, tu écoutes tout ce qu'on est en train de raconter là. Moi, le Waman, ils ne peuvent même pas rentrer dans les pépettes de loge là. Les gens comme moi, ils vont me fuir. Vos histoires de secte, les gens, je vous chie tout dessus. Mais, Mambeng, tu marches avec les juges. Pas dans vos histoires là, voilà ça. Voilà ça. Nango, allez là. T'as chamzé là. Vous voulez un Mambeng, Nando. Voilà. Bisous là. Hein? Grand pays, on peut commencer. Salut, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition des Tolis du Pat. Oui, c'est les Tolis du Pat. Les Tolis du Pat, comme je le dis toujours à l'accoutumée, pour celui qui veut mettre ses organes là-bas, qui passe seulement comme un tacite. Parce qu'en ce qui concerne justement les retours, je ne suis jamais les retours, ça ne me concerne jamais. Je ne connais moi rien de moi les retours. Parce que déjà les commentaires qu'on tape ici, c'est les commentaires des Manchum Ton Kati. Dans les commentaires des quartiers d'ici, là, j'ai des commentaires qu'on tape au niveau des bas étages là. Comme je le disais un peu. Si pour celui qui n'a pas encore compris le clash entre Laure Kameni et la Camoise, vous m'écoutez la vidéo là jusqu'à la fin. Parce qu'il y a bon nombre qui n'ont pas vu cette vidéo là. Vous m'écoutez ces clichés là jusqu'à la fin. Venez, on va essayer de la discuter. Venez, oh, venez. Voilà. Qui regarde mes vidéos tous les jours, je refuse absolument ni de vous liker ni de partager là. Même mettre ton pouce bleu là, moi je ne comprends pas. Ou bien je cherche ta femme. Ou bien je fais quoi chez toi. Dans tous les carrés. Partage. C'est les rires que vous faites. Tout le monde doit l'adopter. Moi, je m'adresse à cette fille. Tu ne me connais pas. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal, déjà. Je ne partage pas les mêmes, la même idéologie que toi. Et je vais te mettre au défi, ma chérie. Écoute-moi très bien. Si ta mère est en ligne, qu'elle entende de ça. Si tu ne supprimes pas la vidéo que tu as faite ces jours, tu vas voir avec tes yeux, c'est moi qui te dis ça. Et tu ne vas rien me faire. Et j'espère que tu as compris. Cette fille qui s'appelle ou c'est Marie quoi, j'espère que tu as compris. Mon compte est dupliqué. Beaucoup de gens se font arnaquer. Moi je vis en France. Les gens envoient de l'argent aux gens qui sont au Cameroun et partout. Et je t'ai envoyé un message pour te dire que fais attention. Ma chérie, quand je vais revenir, tu vas voir. C'est moi qui te dis ça et tu vas rien me faire.
Je sais pas dans quel pays tu te trouves. Fais tes conneries là avec les petits enfants là que tu mets ta bouche ça. Ah là 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 là. Je ne suis, je ne m'amuse pas avec toi. Si je reviens et que cette vidéo que tu as faite, et pourtant mon compte Facebook est suspendu depuis des jours, pour dire que je suis en France, les gens en arc avaient un numéro du Cameroun, tu vas voir, c'est moi qui te dis ça. Garde cette vidéo, tu vas voir. Je vais te montrer, c'est-à-dire que je vais entrer chez toi sans bouger de la France, sans bouger de Toulouse, je vais entrer chez toi. Je vais ressortir de chez toi et je vais entrer encore chez toi. Tu ne pourras plus mettre ta caméra pour m'attaquer. C'est moi qui te dis ça. Prends-le comme une ménage, j'en ai rien à foutre. Allez. Millions et millions. L'Ocaménie a fait une sortie où elle a clashé sa mère. Appelons chien chien. Appelons chat chat. Elle a clashé sa mère. Elle a eu des propos tellement crus et nauséabondes vis-à-vis de sa mère. Je suis Aïcha Kamoaz, propriétaire de tous les dossiers. J'ai repris ses propos, j'ai posté. Comme en dessous de la publication, les gens ne la clamaient pas. En dessous de la publication, les gens étaient en train de la raisonner, de dire qu'elle était en train d'endem, parce qu'en réalité, elle endem déjà. Elle m'envoie un message pour me dire, elle m'envoie un message pour me dire, Aïcha, Aïcha, si tu me prononces, fais attention quand tu parles de moi, parce que si tu me prononces encore, je vais taper sur tes doigts, et quand je tape sur tes doigts, ça fait très mal. Ce que Marie Bibi t'a fait là-dedans va être pitié. Elle te manque le respect, une qualité de manque de respect, que tu vas te mirer comme ça, tu auras les difficultés. Tu vas te pourrir, bah, tu as l'âge de ma mère, mais elle veut te manquer le respect. Tu ne vas même pas comprendre. Facebook, c'est l'endurance. Donc là, je suis en train de prévenir mes mamans là. Les mamans là.